Bon, là c'est bon, arrêtez, arrêtez de me faire marcher, arrêtez de m'embêter là. J'ai vraiment commencé à pleurer, je commence à avoir super peur. Et j'ai démarré une vidéo pour montrer ça aux abonnés d'ailleurs. Bon, vous êtes là, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi bon, en tout cas, là ça va pas du tout, je suis à deux doigts de pleurer, voilà. J'ai jamais fait ça en vidéo, mais pour le coup, là c'est vrai, je viens de me réveiller. Il est 10h du matin, je viens de me réveiller, bon je pense que ça se voit là, je suis pas coiffé du tout, je me suis habillé rapidement comme ça, et y a plus personne dans la maison. Mais quand je vous dis qu'il y a plus personne, c'est que je suis tout seul. Il y a quelqu'un? Peppa Pink! Je vais quand même aller vérifier encore une fois dans sa chambre, je vais peut-être pas m'inquiéter pour rien. Peppa Pink! Peppa Pink! Non, il y a personne. Et là j'ai fouillé toute la maison, regardez. J'ai fait toutes les pièces, je suis allé dans le jardin, je suis allé dans le salon, je suis même allé au sous-sol dans notre cave, tout ça pour vérifier s'il y a quelqu'un. Et ah, peut-être ici. Il y a quelqu'un? Il y a personne. Bon, et ce qui m'inquiète les amis, c'est pas ça, parce que bon, des fois ils partent faire des courses, ils partent faire des choses et voilà, ils me le disent pas forcément. Ou parfois même ils font exprès de partir pour m'embêter. Sauf que là, aujourd'hui, on avait un truc de prévu. Lily Rose, elle devait pas aller à l'école aujourd'hui. Normalement, elle avait école aujourd'hui, mais elle ratait l'école parce qu'aujourd'hui, c'était une journée ultra spéciale. On était invité dans un parc d'attractions. On aurait pu tester tous les manèges, etc. en avant-première. Ça va être un nouveau parc d'attractions. Bah, du coup, je vais pas vous en parler tout de suite parce que bah, je suis pas sûr qu'on y aille et on devait partir à 11h. C'est pour ça que je me suis réveillé à 10h. Et là, bah, il est quelle heure? Ah, il est que 10h15. Ça va, je viens de me réveiller. Mais bon, je vais quand même aller voir en bas, les amis, en espérant que il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un. Ou même Valentin, même le cousin relou, il devait venir et il est pas là, j'y ai même plus pensé. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a personne, hein. Et en plus, dans le sous-sol, il fait ultra noir là. Ah, c'est quoi ça? Quelqu'un qui m'appelle? Oh, mais c'est bizarre, c'est Lily Rose. Pourquoi elle m'appelle? Allô, Lily Rose? Allô? Lily Rose, je t'entends très mal là, t'es où? Là, c'est pas drôle, si c'est un prank, on doit partir dans 40 minutes, là. On n'a vraiment pas le temps de jouer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lily Rose! Qu'est-ce que... Elle a... Non, mais c'est bizarre. Attendez, les amis, je vais me cacher, là, parce que je sens que ça peut mal terminer, cette histoire. Je vais me mettre ici. Hop, je vais m'enfermer à clé. Je vais vous expliquer un truc. Là, c'est le téléphone de Lily Rose qui m'a appelé. Sauf que c'était clairement pas sa vraie voix. On aurait dit quelqu'un qui essayait d'imiter Lily Rose. Comme si que quelqu'un avait pris son téléphone et essayé de faire sa voix. Et au téléphone, elle m'a dit: Esteban, qu'est-ce que tu fais? On est dans le sous-sol. On est dans... J'ai cru que c'était encore quelqu'un qui m'appelait. Oh non, c'est un message. C'est pour ça que ça a vibré. Esteban, c'est Peppa Pink. Esteban, viens. Viens dans la cave. Viens dans la cave, on t'attend dans la cave. Ne t'inquiète pas, on t'attend dans la cave. Mais comment ça, on t'attend dans la cave? C'est très bizarre, les amis. J'ai l'impression que quelqu'un de très 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 mal intentionné, quelqu'un de très méchant, a pris les téléphones de Peppa Pink et Lily Rose pour essayer de m'entraîner quelque part. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, je suis en vidéo, il faut bien que je vous montre des choses et surtout j'ai pas le choix. On est invité à ce parc d'attractions, si on part pas à l'heure, ben on va tout rater. Bon, du coup je vais aller dans la cave. Les amis, c'est un endroit qu'on vous montre quasiment jamais en vidéo parce qu'à chaque fois il se passe des trucs très bizarres à l'intérieur. La dernière fois qu'on y est allé, je me suis fait poursuivre par un fou qui avait décidé d'habiter là, il avait mis des couvertures et il dormait là, enfin bref. Bon, pour aller dans la cave, il faut ouvrir le garage et... Je vais pas vous montrer le chemin, mais on s'y retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. C'est bon, la porte est là. On la voit même pas tellement il fait noir. L'électricité ne marche plus ici, on n'y va jamais. C'est une partie de notre maison qu'on n'utilise même pas. On ferme la porte à clé et on laisse les gens se débrouiller ici. Parce qu'on a tellement peur. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre mon courage à deux mains. Oh là 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 là, regardez. Regardez comme c'est sombre, on n'y voit rien. Et quand on est arrivé dans cette maison, l'ancien propriétaire nous a dit surtout, n'y allez pas. On vous donne cette partie-là de la maison, mais surtout n'y allez pas. À chaque fois qu'on y va, il s'est passé des trucs. Oh, écoutez, il y a plein de machines et tout. Bon, les amis, je vais chercher un petit peu ici et on va voir s'ils sont vraiment là. Je continue d'avancer
Mais pour l'instant, je vois rien. Dans la vidéo, je ferai des coupures, les amis, parce que vraiment, je vois rien. Il y a... Oh, c'est pas possible. Encore quelqu'un qui m'appelle. Allô? Mais c'est Lily Rose. Allô, Lily Rose? Allô? J'entends des bruits. J'entends des bruits ici. Oh, c'est pas possible. J'entends des bruits de pas. Allô, Lily Rose? Allô? Oh, c'est pas possible. J'ai l'impression que je suis tombé dans un piège. Bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Attendez. Pourquoi il y a une photo de Lily Rose ici? C'est quoi ça? Pourquoi il y a un masque comme ça? Oh là là là, les amis. J'ai l'impression que je suis vraiment tombé dans un piège. Ah, je vois pas pourquoi il y aurait une photo de Lily Rose ici. Ça, c'est un carton de dédicace qu'on donne parfois aux abonnés. Et ça, c'est... Ah non, je reconnais ce masque. C'est le masque d'un des hommes masqués. Ça fait partie... C'est un groupe de gens qui arrêtent pas de vouloir rentrer chez nous pour essayer de tout nous voler, pour essayer de nous embêter le plus possible pour qu'on quitte notre maison. C'est eux qui essayent de me piéger. À mon avis, ils ont entraîné Lily Rose dans un piège ici. Bon, écoutez, ça, de toute façon, je le garde. Ça va servir d'indice si je dois aller voir la police. Je vais regarder s'il y a d'autres affaires par terre comme ça. Oh non, c'est pas possible. Le téléphone. Ah, c'est le téléphone de Peppa Pink. Qu'est-ce qu'il fait là? Il leur est arrivé quelque chose, c'est sûr. Il leur est arrivé quelque chose. Bon, écoutez les amis, je vais tout prendre. Je vais prendre ces indices là. Je vais reprendre le masque. Je vais reprendre tout ça. Et je vais partir le plus vite possible de cette pièce. Le plus vite possible de cette cave. En plus, je vois vraiment rien. Et les amis, j'ai à la fois envie de rigoler, à la fois envie de pleurer là. Parce que c'est tellement catastrophique comme situation. Bon allez, je pars d'ici, on se retrouve tout de suite. Là, l'heure est grave. Ça fait 2 heures que j'ai pas filmé. Voilà, donc là maintenant, il est 11 heures passées, il est presque midi. Donc on a raté notre journée au parc d'attractions. J'ai téléphoné à un ami que je connais qui est policier. Voilà, je lui ai parlé de tout ça. Je lui ai montré toutes les vidéos que j'ai filmées avec la caméra. Je lui ai montré le masque que j'ai trouvé, tout ça. Et apparemment, c'est des gens qui sont très connus de la police. Donc c'est un groupe de personnes, ils appellent ça le gang des masqués. Et en fait ils ont plein de masques comme ça, ils ont un masque doré, ils ont un masque bleu, tout ça. Et ils rentrent chez des gens, ils leur font peur, ils font peur à toute la famille part de la maison. Et ensuite ils en profitent pour prendre des objets à l'intérieur, pour voler des objets, ils en profitent pour faire des pranks, pour piéger les gens, tout ça. Et là à mon avis, bah, ce qui se passe c'est que Peppa Pink et Lily Rose sont partis en courant. Ils ont oublié leur téléphone, le gang des masqués ont pris les téléphones pour me faire des blagues, voilà, ils veulent que je parte de la maison, que je prenne peur et que je parte de la maison. Et mon ami policier m'a dit, bah non, la seule solution que tu as, c'est de rester ici, de fermer toutes les portes et d'attendre que Lily Rose et Peppa Pink reviennent, qu'ils arrêtent d'avoir peur et qu'ils reviennent le plus vite possible. Donc là, comme vous l'avez compris, je suis un peu bloqué. J'ai fermé toutes les portes de la maison, il m'a dit surtout ne va pas dans la cave, tout ça, si tu penses qu'ils sont là-bas. Je pense qu'ils sont encore cachés dans notre cave. Donc j'ai bien fait de pas y rester très longtemps. En tout cas les amis, bah, faites attention à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Même si bon là elle termine pas très bien pour l'instant. Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. On va très vite refaire des vidéos avec tout le monde. S'ils reviennent, rapidement. Et on se dit à la prochaine. Allez ciao, bonne journée à vous.